Capitaine, vous voyez ces bornes? Qu'est-ce qu'elles représentent? Elles ont l'air anciennes. Et les traces s'arrêtent ici. C'est l'unité Bravo, c'est sûr. Ils peuvent pas s'être évaporés. Bougez-vous, vite! Attention! Quelqu'un sait où on est? Je vous l'ai dit, l'éclair, il nous a amenés quelque part. Les gars! Alors quoi? On est les gardiens de la galaxie maintenant? À 6 heures! Diablos. Vous avez vu cette chose? Venez! Repliez-vous! Tout ça dépasse officiellement mes compétences. Ils sont énormes. Mais je m'en moque. On va les éliminer. Et fermer le portail. Oui, chef. Oui, chef. Ils ne nous auront pas. You know him, didn't you? Then you had that one little feeling. But you waved it away. You should have listened to that one little feeling. Just like I'm listening to you now. You can talk to me. I'm all a friend you got. You're not exactly a department favorite. Things probably changed a lot since you left. Still got to catch him, right? Yeah. Not that much has changed then, right? I can assure you all, we are taking a 24/7 all hands on deck approach to these cases. The guy's a shark. If he stops, he dies. He likes to drive. Probably has a decent car, maybe two. High mileage. He must really like my car. I do. How's the trunk space? Something I gotta know. How's a guy with the best clearance rate in the department work 15 years without a promotion? Maybe I didn't go to the right church. When I look in your eyes, what I see, it ain't good. He knew all the details, but he wasn't within 10 miles of the killing. Why is that? Why is that? How's the trunk space? What do you want? I want to nail the bastard. For who? For all of the girls he killed. I want to nail the bastard too. Difference is, I'm doing it for me. It's the little things, Jimmy. It's the little things that rip you apart. It's the little things that get you caught. T'es un parieur, Jack. Plus maintenant. Parieur un jour, parieur toujours. On s'en va, allez, faut y aller! T'as parié tout ce que t'avais, pile ou face. D'un côté,
Toi, ta famille, vivez la vie dont vous avez toujours rêvé. De l'autre, tu perds tout. Absolument tout. Tu devais beaucoup d'argent à de très mauvaises personnes. Alors j'ai racheté ta dette. Maintenant, tu vas devoir me rembourser cette dette. Et si on en venait au job ? Il y a une légende dans le milieu de la pègre. Pour les mieux informés, c'est le Money Play. Un casino blindé dans le ciel, intouchable par les agences gouvernementales. Quoi que tu veuilles parier, le Money Play te couvre. La roulette russe. On dit qu'ils ont plus d'un milliard de crypto-monnaies à bord, et des millions en espèces. Je veux que toi et ton équipe, vous vidiez les caisses. C'est de la folie. Ouais, c'est peut-être même le bon moment. Maintenant, sans plus attendre, asseyez-vous, détendez-vous, et préparez-vous au décollage. On a le contrôle du cockpit. C'est qui le prochain ? Hé, mon pote. Vous êtes mort. Vos familles sont toutes mortes. Toi, ton équipe et tous ceux que vous connaissez. Mort au moment où vous toucherez le sol. Maintenant, apporte-moi mon argent. Prenez note de mes volontés avant que je ne disparaisse, mon fils. Dorénavant, c'est vous le roi. Mais le trône doit être transmis à un héritier mâle. Hakim, il semblerait que vous ayez un fils. Retrouvez-le. Préparez le jet royal. Nous repartons en Amérique. C'est hors de question, votre majesté. Come on! Enfin! Say it again! Le roi que tu salopes, c'est moi. Mort de rire. Quelle histoire. On chante encore. Quelle joie de vous revoir. Eh ben merde alors, visez-moi un peu qui c'est qui se pointe ici. Ça alors, ça les Kunta Kinte et Ebola. La famille, les Blue Diamonds, Mandela et Winnie. Les bébés crèvent la faim, tout couvert de bouche. Et oh, là t'as dépassé les bords. C'est pas possible de dire des horreurs pareilles sur les bébés qui crèvent de faim. Je vais te demander de quitter mon fauteuil. Politiquement incorrect. Qu'est-ce qui vous amène ici, Hôtel Rwanda? En bas. Say it again! Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette ait continué de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec depuis un an. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons. With Il faut pas se le cacher. Question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Oh. Je me ferai nommer pour que le feu reprenne. Faut que tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé. Une. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Everywhere I go. Cette folie-là, on va pas la faire, Aline. Garde-moi bien droit dans les yeux. Puis dis-moi que tu m'aimes pas.
on a lane I've never seen. Merci. Tu as trouvé où ce gars? Dites-moi, vous savez conduire? Je dois aller demain matin à Zurich, un aller-retour dans la journée. Enfin, si vous êtes libre. Oui? Oui. On s'est retrouvés. On se quitte pas. Simon, vous avez une femme? Tu sais, je suis conscient que t'as pas tout ce que tu veux. Il manque quelque chose. Avec un enfant, ce serait différent. On pourrait partir d'ici. Qui c'est qui a dit que les sentiments sont toujours réciproques? Réciproques, mais pas toujours les mêmes. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Tu penses qu'un type comme ça, ça s'achète pas? Je le fais pour toi. Pour toi et pour moi. Tu as peur? La ferme des Muldoon, où Rosemary vivait. Et au bout du chemin, il y avait ma ferme, où mon fils Anthony posait ses questions solitaires aux étoiles. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Rosemary Muldoon était éperdument amoureuse. Il y a ces champs verdoyants. Sur cette terre, il y a nous. Peu importe ce que c'est, ça me retient ici. Quand il dit des choses comme celle-là... Il n'est pas normal. Je m'en moque. Tu ressembles à John Kelly. Il était aussi timbré que la pleine lune. Il s'est noyé volontairement. Il est tombé. Il avait une roche attachée autour du cou. Rosemary, on se connaît depuis assez longtemps maintenant. Voudrais-tu m'épouser? As-tu signé les papiers pour que la ferme soit cédée à Anthony? Je ne vois pas de lien direct. Entre quoi et quoi? Entre moi et toi. Mon cousin arrive bientôt. Hein? C'est la plus belle voiture que j'ai vue de ma vie. T'as laissé la ferme à un Américain? Vous attendez après lui? Vous, vous attendez après quoi? Moi, j'attends pas. J'avoue que j'aime ça. Tu devrais venir à New York un jour. Anthony ne se mariera jamais. S'il faut attendre encore, je congèlerai mes œufs. Faudrait que tu te fasses congeler au complet si t'as l'intention d'attendre après lui. Will you call us? J'ai déjà eu un rêve que tu poursuivais depuis l'enfance et que tu n'arrivais pas à abandonner. Tu as mis cette barrière entre nous. Ton rêve t'a-t-il rendu heureuse ou malheureuse? Tu as embrassé Adam! C'est lui qui m'a embrassée! C'est pour ça qu'il revient! J'ai du mal à comprendre les gens d'ici. Vous rendez tout si compliqué. Vous acceptez des choses insensées. Je n'aime pas me disputer. Qui aime ça? La moitié de l'Irlande, mais pas moi. If my true love he were gone, I would surely find. Le temps va nous manquer. Attention! J'ai confiance que l'amour... Attention! Viendra te trouver. Durant combien de jours verrons-nous encore le soleil briller? Il ne brille pas. Il brille, selon moi. Will you call a seagull? C'est là que je l'ai vu pour la première fois. J'ai tout de suite su que c'était le maître que je cherchais. J'aimerais devenir le chauffeur de votre fils. Bonjour, je suis non, attends.
Hey, chauffeur! Je m'appelle Pinky, ravie de faire ta connaissance. Dis-moi, tu as déjà vu un ordi? On en avait plein au village, avec nos chèvres. Ah oui, c'est vrai que les chèvres sont plutôt douées en informatique. Là, t'es con. Je n'avais pas aimé la façon dont il avait parlé de moi. Depuis mon enfance, le désir d'être un bon domestique était enfoncé au marteau dans mon crâne. Moi, Balram Alwai, je conduisais la voiture. J'étais seul dans la voiture. Ils m'ont fait signer leurs aveux. Pourquoi vous le traitez de cette façon? Pourquoi vous le maltraitez comme ça? T'es mon chauffeur, tu travailles pour moi. I want to break free. I want to break free. Ils avaient un objectif, mais moi aussi. Il me fallait devenir la créature qui ne naît qu'une fois par génération. Le tigre blanc. C'est comme ça que je m'appelle aujourd'hui. Moi, je suis simplement celui qui s'est réveillé pendant que tous les autres dormaient encore. So what is it you guys want to talk about? 2020. A year whose story couldn't be told until now because it was still happening. Don't be filming this for one of those casual introductory shots, please. Shit's demeaning. If I leave my little helper down here, is that out of your box, is it? With unprecedented access to experts, politicos, monarchs, and average citizens, this is the definitive story of the most historic year in history. I'm ready. This is 2020. I say it was a train wreck and a shit show, but that would be unfair to trains and shit. So will this be on Quibi? Ici, Odinui Chiwan. Ça veut dire mon ami. Mais moi, je t'appelle Neshim. Comme ça. Faudrait que t'aies ta maison à toi. On va faire construire une maison. Tu sais, avec un jacuzzi en plus. C'est qui, lui? Un gars à mon atelier. Un blanc? Ouh, un blanc. Si tout le monde là fait comme toi, on serait plus là. Francis, là, il me connaît mieux que toutes vos autres. Dans ma langue maternelle, le mot liberté au sens large n'existe pas. Il faut peut-être d'abord connaître la captivité pour se figurer ce que c'est que la liberté. J'ai inventé des vies. Et ces autres vies, je les ai embellies. Je voulais voir la beauté. Je voulais la faire.